Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Joue avec moi, jeu pour enfants. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une fontaine d'anniversaire et qui, avec une accompagnée d'une mélodie d'anniversaire. Donc c'est de Véco, c'est pas pour les enfants, pour les petits d'ailleurs. Donc il vaut mieux que les parents soient avec eux. Donc c'est une petite fleur rouge. On met du feu à l'intérieur et après ça s'ouvre. Il y a plein d'étincelles donc. Il faut faire vraiment attention, il faut prendre ses distances parce que bon, c'est écrit sur les indications. Donc voilà, à quoi ressemble notre fontaine d'anniversaire. Donc là, en fait, la musique va se déclencher, donc je pense avec le contact du feu. Donc là, on a un petit bâtonnet, on va l'allumer. Et ensuite, on va mettre le tout dans la fleur. Donc il faut prendre une certaine distance quand même, hein, mais tout doit se faire normalement en sécurité. Alors ça ne brûle pas encore, voilà. Et maintenant, c'est parti. Ouh! Ah, c'était super! Bon, j'ai quand même été un petit peu surprise et je suis restée quand même sans voix pendant un sacré moment. Waouh! Donc, je ne sais pas quand la musique va s'arrêter, mais... Donc la musique, bon, ben on va attendre, hein, parce que... On va voir quand elle va s'arrêter. Donc là, j'ai trouvé mes... ciseaux. Parce que oui, sur les indications, ils me disent que pour éteindre la musique, il faut utiliser un objet assez pointu et appuyer à l'intérieur. Mais j'y arrive pas. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous donner des idées pour les anniversaires. En tout cas, bon, moi, j'ai été très surprise du résultat. Bon, ouais, après, c'est vrai que la musique est un petit peu forte quand même, mais bon, ça va. Et donc, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Regardez nos autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et je vous dis à une prochaine. Bon, là, par contre, la musique s'est enfin arrêtée. Donc, j'ai réussi à l'éteindre. Donc voilà, franchement, c'est vraiment super ça. Donc je vous dis à la prochaine.